Allez, hop. Donc continuer, mais on va pas vraiment continuer par rapport au dernier stream, vu que j'ai joué un peu entre-temps. Et que j'ai backdash, j'ai essayé de changer 2-3 trucs. Et puis je suis allé voir mes copines, les araignées. Et puis j'en ai tué quelques-unes d'ailleurs. Ce qui m'a fait gagner un niveau. Donc c'était plutôt cool. Mais il y a des gros fights en attente. Genre la reine des araignées. Oh, il y a des œufs là. Cool. Sur des baguettes de feu parce que ça me paraît mieux. On va voir comment ça se passe. Je me suis passé sur un guerrier complètement tank pour le coup. Donc il a un bouclier, il a une épée, il a pas trop de points de vie, c'est le problème. Les fails, c'est très agréable. Allez, occupés. C'est maintenant qu'il va pas falloir déconner. Ah mais si c'est que des araignées qui se tp, ça va être chiant. Hein. Mais se casse où ces connes? Vas-y, fais ta vie, hein, moi ça me va. Hein. La raillerie.
joue pas Jeanne. Ça m'emmerde. Pourquoi Jeanne il a pas d'action? Fous-moi. Ouais, elle s'est suicidée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu viens de faire, l'araignée. L'araignée, elle est complètement teubée. Ah mais c'est parce qu'il n'y a aucun point d'action en fait. C'est gênant. Il a besoin de se healer. Alors les araignées ont décidé que faire la danse du feu c'est rigolo. Moi j'aime beaucoup. Pas morte. Ah non. Ça gèle pas, c'est nul. Il rate son coup, quel nul. Ah bah j'ai gagné. Oui j'ai gagné. Hop, petite sauvegarde. Tu es où là en fait? Je sais même pas. Non, je suis là.
Un caravanier perplexe. Enfin, faudrait que je retourne au début. Bon, y a les adorateurs des araignées qu'il faudrait que j'aille voir, mais ça m'emmerde. Vous allez voir la grosse araignée qui tâche et qui fait un peu peur. Et surtout peur en fait. Alors, 68 à 101. Que j'ai? La même. Ah merde. La même épée. Plus deux constitutions. Ça m'intéresse. Là, avoir moins de dégâts. Autant avoir plus de constitution. Ah, il faut de la dex, merde! De dex, il a combien? Il a 7, non? Autre chose à porter? Ah oui, tiens, merde. Voilà, plus 2 en constitution, comme ça il a 2000 points de vie. On va pouvoir tanker un peu plus. Alors évidemment, si tous les ennemis résistent au taunt, ça servira à rien, mais...
Ah, mais il y a encore des différences de niveau, quoi. Les arcs, quoi. Les arcs, ils demandent tellement. Voilà. Là, c'est la merde. Là, c'est un peu, hein, la merde. Si on se faisait casser la gueule par une araignée, ça serait super. J'ai hâte. J'ai foutu. J'ai pas utilisé ma capacité. A échoué. Youpi. Tap 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 tap. Stop. Handicap à échouer, comme d'hab. C'est ça qu'il faut faire. Sur un truc au pif, c'est bien. Et hémorragie, ça fait un peu mal là quand même. Se calme. J'ai rien. Oh là là. Ah, je l'ai congelé. C'est bon. Ça, c'est cool. Je lui ai congelé la gueule. Et merde, ça tue Jeanne. Oups.
My bad. Je vais la mettre. Attendre. On va le faire attendre pendant ce tour-là. Manqué. C'est ballot. Ça nous crame plus, c'est plus important. Bloqué, bloqué, bloqué. J'ai beaucoup aimé. Voyons, elle est vénère. Ça me dérange pas plus que ça, mais elle était vénère. Aucune résistance en fait, les petites araignées. Hein.
Ah, elle va refaire des araignées. Merde. Alors, je dis merde, oui et non, parce que... T'as fait des araignées rouges, c'est pour se les foutre sur la gueule. Donc. Elle a échoué, merde. Comment tu peux la manquer, la cible? Elle fait trois fois ta taille. Eh bah où? Cette conne. Ah bah là pour nous mettre du poison, pour que comme ça quand on détruit les araignées, bah elle nous éclate la gueule à coups d'explosion. Pas très sympa. Je retarde le tour. Et là, ça va exploser là. Là, ça va exploser méchamment. Oh merde, elle meurt. Bon, on va refaire. C'est chiant, ça joue sur les explosions à la con, c'est pénible. En train de me mettre en plein dans les explosions, c'est chiant. I just need a tiny sip.
Non, parce qu'il y en a marre qu'elle se fasse défoncer par, par le poison à l'infini, elle. Réactif crabe. Donc deux. Je crois pas que la raillerie ait marché. Et merde. J'ai eu handicap, ça marchera pas non plus. Y'a rien qui marche. Et du coup, la raillerie qui a pas marché, Scarlett, elle se fait défoncer. Oh, c'est nul! Rapproche-toi de l'autre. Stop. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Stop! Non, t'es un peu trop près! Oh, je pense que ça va. Non, ça va pas du tout. Salope, t'es trop proche cette saloperie d'araignée. Ça marchera jamais, elle est en train de cramer. Chez Givran, il marchera jamais, elle est en train de cramer. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? C'est pas la folle, saloperie! On se fait exploser la gueule à l'infini, quoi. Ça qui est pénible. Elle crame toujours. Elle crame toujours, hein. A besoin de huile. Lui un peu. Ouais, pas plus que ça. On va attendre. Ah, parfait, ça a explosé. Ça sera plus que celle-là. Elle est en train de m'emmerder, cette saloperie d'araignée. À faire empoisonnement, c'est la régène. Elle empoisonne chez moi, ça fait de l'explosion parce que c'est chiant. Il y a besoin de heal. Salut Macléo, salut Dropper, salut Wall Squadron.
ça c'est bloqué. Je vais faire exploser la gueule, moi, tu vas voir, ça va pas être long. Pas comme un araignée. Petite araignée, ça va. Petite araignée, c'est pas très dangereux. Vas-y, énerve-toi sur l'élémentaire, ça me va. On va dire ça à Jin, quoi. Quoi, Jin aurait peur des araignées? C'est que ce truc. Attendez deux secondes. Bon. Enfin. Le cahier du roi Enoch, c'est ça, arrive. Regarde. Oh putain! Sa mère! Oh mon dieu! Oh cette araignée! Deux secondes, je reviens. Oh merde! Oh, il est pas bien! Les araignées rouges, elles sont proches. J'aime pas trop ça. Il l'a manqué. Mais quelle connerie. J'avais un peu peur de ça. On va m'expliquer pourquoi l'archère elle joue pas là du coup. Elle a perdu son tour comme ça gratos. Ok. Bah, c'est chiant. Honnêtement avec toutes ces... C'est vraiment de la merde. Putain, les araignées qui t'explosent à la gueule, tu peux rien faire, c'est vraiment de la merde. L'autre, il prend jamais...
Raillerie, il prend jamais quoi que ce soit. Pénible. Évidemment qu'on est trop près. Oh, sérieux? Elle a pris le renversement? What? Incroyable. Elle a pris le renversement. Et Blobby Bulgare. Pas long. Deux fois de suite, elle est pas rêvée. Viser la petite araignée rouge, merde. Hein? What? Oh, mais genre comme ça, quoi.
Elle l'a raté. Elle l'a raté. Sigurd by my right arm. Oh. On se calme. Ça marche pas, comme d'habitude. Quoi? Oh mais j'y comprends rien. Je me suis pas trompé de truc quand même. J'ai mis passer le tour ou retarder le tour? Ah j'ai dû mettre passer le tour ça se trouve. Ce serait con. Je vais retarder le tour et ça fait skipper le tour, je comprends pas. Quand même. Retarder le tour, oui, c'est pas terminer le tour. C'est retarder le tour. Et ça le skip. Pourquoi? Ça va pas toucher derrière. Il y a des putains d'araignées derrière, il n'y en a pas une qui est touchée. Ok. Il commence à m'emmerder le jeu.
Ouais, prends congélation. Merci. Merci. Ça l'a réveillé, bah oui forcément. Je lui ai cramé un peu la gueule, ça l'a réveillé. Manqué comme d'hab, hein. Vu que j'ai un archer qui est pas capable de toucher un truc. Ce qui est quand même pas franchement pratique, hein. Un archer et il touche rien. Jamais. Parce qu'il doit être myope, hein, a priori, hein. C'est ça. Zéro. Tu es zéro le l'archer. Et je sais pas pourquoi. T'es aussi zéro, mais ça commence à me gonfler. Bah oui, à un moment. À un moment, il y en a marre. Tout ça? Tout ça? Tu veux pas faire une cinquième action avant que tu y aies? Si, bien sûr que si, tu vas faire 5 actions dans le même tour. C'est tout à fait normal. What the fuck? Quelle connerie. Elle est enflammée ou quoi? Non? Je sais pas. Oh, pas terrible. Le renversement qui ne marche jamais, hein.
3. Rien que ça. Des 24 que je vais y arriver, c'est pas grave. Alors ça y est, on va faire de la merde. Voilà, super. Je retente. Ça finira peut-être par passer. Non plus. Toujours pas. Toujours pas. Ouais, mais c'est bon quoi, le nombre d'actions quoi, c'est abusé. Faut que je fasse ça plus rapidement. C'est trop loin. Voilà, c'est pas mal. Ça c'est chiant. Ça, ça va. Ça va finir par marcher. Jamais. Elle est morte.
qu'il n'y a pas de rouge, ça ira. En fait. Tant qu'il n'y a pas de rouge, c'est cool. Ah, on a gagné. Incroyable. Oh, mais l'autre, il s'est fait dépop parce qu'il était en plein milieu. Mais t'es sérieux? Oh là là. Oh mais quelle connerie. Pourquoi il est torse poil lui? Pourquoi il a pas de torse? Est-ce que son torse est mort? Super! Bathed in rivers of renewal. Oui, c'est pas mal ce que je viens de trouver. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire? Je sens que ça va être un grand moment encore. Ouais, ta gueule. Ouais, ta gueule. Un homme n'est dépourvu de peur, on ne peut qu'essayer de les surmonter. Ta gueule. Ouais, bla bla bla. Voilà, on s'emmerde. J'aurais buté une grosse araignée bien dégueulasse. Il y avait des trucs derrière. J'ai sauvegardé, non, j'avais pas sauvegardé. Alors. C'est mieux que rien. Intéressant.
29 résistance à la terre, 25. Ouais, c'est moins bien. C'est moins bien. Elle est où l'autre? Elle. May the goddess guide you through the forest and keep you safe. Bon, alors on va faire un peu de réparation. You to drop by, my liege. As always, be welcome. De constitution, c'est la même, non? C'est un peu la même, non? You're tired, aren't you? I told you you'd be. Mara, my sweet, I do wish you'd stop interrupting me. Des dégâts d'air en plus. Et un stun. Ah, c'est pas mal, hein? Mal. Don't work too hard now, dearest. You've been hammering away for hours. Mara, my sweet, I do wish you'd stop interrupting me.
Remember to take a break now and again, Bjorn. You know what the doctor said. Mara, my sweet, I do wish you'd stop interrupting me. Petitis. Work there, dear. You're tired, aren't you? I told you you'd be. Please, Mara. Must you bother me at every turn? Work there, dear. You're tired, aren't you? I told you you'd be. Please, Mara. Must so good of you to drop by, my liege. As always, be welcome. Non, bah non. Tellement plus mal les arbalètes. Violent. Voilà, on va partir. My heels are really dragging here.
7, grand abundance. Ok. Alors du coup, hein, ce soir, hein, c'est FFBE à 21h quelque chose. Hein. Je vous le redis au cas où. Plus Poulpi. Baking like a cake. Sakes alive. Are you real? My mind is turning with illusions. Monsieur, que s'est-il passé? It couldn't have been. There's cobwebs behind my eyes. Coming out. No. Il est jour que je m'étais pas sûr. I'm clearer now than I have been in days. Ah, mais c'est elle qui nous a empoisonnés. Elle qui tenait à voir sa progéniture nous dévorer à l'intérieur, tandis que... Vous laissez en nous jouer des larmes d'amour et de dévotion envers sa personne. Dites que la reine araignée vous a empoisonné. Oui, je dans quelques souvenirs diffus. Nous étions des voyageurs, voyez-vous, des marchands ambulants constamment sur la route entre une ville et une autre. Nous savions que nous risquions de tomber sur des gobelins au milieu de ces plaines arides, mais cela ne nous avait pas découragés. Toutefois, les vents qui se déchaînaient nous permettaient pas de voyager, c'est pourquoi nous avons installé notre campement un peu plus tôt que prévu et ce soir-là. Tandis que le soleil se couchait, nous avons vu les plaines sombrer dans un calme inquiétant, spectral. Nous avons tous senti une angoisse et un sentiment d'irréalité, une nouée des tripes. L'un est apparu comme sorti de nulle part, et aucun des nôtres n'a eu ne serait-ce que le temps de songer à fuir avant de ressentir la piqûre de son dard. Toutefois, nous ne sommes pas morts, nous avons plutôt sombré dans un genre de rêve éveillé. En l'espace de quelques minutes, nous avions tous succombé. Longue vie à la reine, c'est dans nos têtes que nous avons entendu ces mots résonner avant que nos propres bouches ne les reprennent à l'unisson. J'ai rencontré votre reine araignée et je l'ai envoyée dans l'enfer d'où elle était sortie. Bim ! Maudite reine est morte, louée soit l'araignée, j'espère que vous avez éventré cette saleté et toute sa descendance infernale dans la foulée. Ah ouais ? Ah ouais. Ouais, bah ouais. Oui, je lui ai cassé la gueule, oui. Pas facile, mais je lui ai cassé la gueule. Vous le sentez là que ça va être la merde. Bonjour. C'était un rêve, mais ça paraît un songe, elle m'appelait à elle. Elle m'a cédé à regarder en sa mille en rouge qui égrenait les heures. Le temps fuyait, la pluie se rapprochait toujours un peu plus. Qui êtes-vous? Hâte de s'asseoir. Un peu dans les vapes. Oh, finalement, ça va. Whatever do you mean? We are all. En plus, les casse-croûtes en devenir que des fidèles au sens strict du terme, ils doivent mettre les voiles. Les sonnières dernières affirment. Affamés n'ont que faire de la dévotion religieuse. In my experience, you'd have us believe our queen endangers us. How could the favor of Fang, the present of poison, frighten the weaver's own children? Oh, dream weavers. Eh bien joli, mais vous avez bien conscience que les araignées vont vous empoisonner avant de vous dévorer si vous restez ici. Ouais. Eh bien, je suppose que ça devait se passer comme ça. Vous croyez vraiment que... Eh bien, je suppose que vous avez aussi, que on peut aussi bien vivre un culte ici qu'ailleurs. Venez, mes enfants, mettons-nous en quête de terres nouvelles sur lesquelles nous pourrons annoncer à tous ce fondement de la tissus des rêves. Je crois que l'on vend des insecticides accessoirement. What? Ouais, du coup, il y a quand même des araignées à tuer. Ouais. La merde.
Ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde. Parce que bon, c'est pas comme s'il y avait 8 araignées quoi. C'est-à-dire à peu près le double de ce qu'on a nous. Qui attaque à peu près le double de fois que ce qu'on peut attaquer nous. Ça, hein, ça c'est typiquement le genre de phase de combat de merde. C'est typiquement le genre de phase de combat qui me fait dire que ce jeu c'est de la merde. T'as rien fait que l'ennemi il attaque déjà à l'infini quoi. Bien non? Tout le monde au bout de sa life. Tout le monde est déjà au bout de sa life. Mais je suis censé être content. Et Rairi a échoué sur à peu près les deux tiers des araignées. Ce qui est normal. Parce que sinon ça serait trop facile. Mais qu'est-ce que c'est à chier? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que c'est de la merde? Un de moi. Ah bougez pas, on a fait que la moitié des araignées. Hein. On a encore du temps avant de se faire, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Ah, deuxième mort. Mais le jeu est bien. C'est vrai que le jeu est super. Huit araignées quoi. Huit araignées qui attaquent avant que tu puisses faire quoi que ce soit. La blague. Donc ça c'était le tour 2. C'est le tour 2, deux morts. Un qui est quasiment mort. Enfin deux qui sont quasiment morts. Tout va bien non? Tout va bien. Pas du tout déséquilibré, hein. Pas vrai, hein. Je sais même pas comment tu peux t'en sortir, quoi.
C'est bon le follow. Pourquoi on dirait qu'il est déjà au bout de sa life comme ça? Est-ce que c'est lui qui a tout pris? Est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux jouer? Ça me ferait plaisir. Quel enfer. Ah, ce jeu de la bite. Ce bon gros jeu de la bite, hein. Comment ça, c'est trop loin? Bravo, ferme. Oh merde. Faut absolument que je puisse mettre l'élémentaire de feu. Sinon ça va être la merde. Mais non, c'est pas long, c'est pas vrai.
Que c'est pas bientôt fini. Les araignées, hein, championne de l'initiative. Hein. T'en sors pas. Hein. Idée, très bien. Moi ça me va. Si des araignées ça me va. Bon, on s'en sort. On s'en sort parce qu'elle marche dans le feu. Toujours. Toujours raté. I need another chance. Aha. You are well with him, my friend. Mais arrête de te barrer. Araignée nulle. Oh l'aveugle. Faut faire un bâton d'aveugle à l'autre connasse. Hein.
Un rondin de bois, c'est génial. Cadavre où il n'y a rien. Un livre de compétences nul. Et une Mazalasa. Bah étonnamment ça se passe pas trop mal. Mais bon c'est la dernière quand même. En tout cas la dernière en stream. Vous faites savoir à vos maîtres que je préfère leur parler directement. J'achète. Mon parchemin que j'utilise pas. Un jour je les utiliserai. Un jour. C'est Bixty. Alors Bixty, merci, mais j'ai déjà le jeu, enfin j'ai déjà fait. C'est pas la première fois en plus qu'on me l'offre ce jeu-là. Je l'ai déjà fait. Finalement, je vais finir par le faire en stream quand même parce que oui, les gens veulent le voir, mais je l'ai déjà fait. Savoir. Can you hear me? Oh, bless you for coming to Frederick's aid. On s'est devenu au grand secours du grand Frederick qui a été blessé, trahi par son esclave diablotin. Balancer le long de cette colline comme il en se débarrasserait de son d'un aïeul encombrant, on l'a laissé aux griffes de ses monstruosités arachnéennes. Qu'êtes-vous juste? Qu'est le grand Frédéric? Cela importe peu. Il n'est que l'humble rouage d'une grande machinerie servant les intérêts supérieurs.
Mais puisque cela vous intéresse, puisque la curiosité vous brûle d'en savoir plus à son sujet, sachez que le grand Frédéric est un fidèle de la déesse et de l'église des Immaculées, sensible au concept de la liberté, de la destinée, de justice et de beauté. Un ami de la scolastique, de la mystique, des aphorismes, des néologismes, du népotisme, de l'altersociétologisme, de la l'anti-altersociétologisme. Quel connard. Doublé d'un partisan engagé dans la lutte pour les droits à la vie des morts vivants. Qu'en est-il du scepticisme? Pour tout vous dire, le grand Frédéric se méfie de tout ça. Il avait un esclave diablotin, pourquoi s'est-il surpris? Il y a bien longtemps que les diablotins sont soumis aux races supérieures de révélants. Le grand Frédéric serait un idiot de refuser leur service au grand nom de la morale, de l'éthique et de l'humanité. Par contre, cette pierre de sang, c'est un fait de valeur aussi précieux que la science. Pierre de sang de la morale. Je pense qu'il faut mieux de garder cette pierre, une relique des soins est plutôt utile. Allez, donnez-lui à cette pierre, sa jambe est en piteux état. On peut le dire, heureusement que nous étions là pour l'aider. Ah, bravo. Non, laissez-le tranquille. Mépris dans le grand Frédéric fait preuve vers des bâtons dans n'importe quel track source, une grosse envie de lui remettre à sa place, ne le poussez pas à bout. Ah. Oula! Ah merde! Non, mais je le ferai peut-être en stream quand même, Bixty et quoi. C'est pas grave, hein, je le referai. Hein. Le jeu, j'ai déjà fait, mais je peux le refaire. Par contre, l'autre, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hein. Enfin, faut que je le note parce que sinon, j'ai oublié. C'est pas un jeu qui est très long, donc à la rigueur, ça fait quoi? Ça fait une ou deux soirées sur le jeu, normalement. Peut-être trois. À tout casser. Le jeu, il est vraiment court. Hein. Ça fait un moment que je n'ai pas joué, remarque. Hein. Il est moins court que le 1, mais il est plus court que... Ah, par contre, a priori, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Vous verrez bien. Je mettrai à jour la liste et vous verrez bien. Alors on va essayer de le convaincre. Ouf, il est pas d'accord. Que connard. Parlez-vous à le payer de votre vie? Ce qui me fait... Vous le saurez bien assez tôt. Ah ben je mettrai à jour la liste de jeux pour lundi. Je pense. Lundi, du coup, on commencera le jeu après ce jeu-là. Frederick last saw the imp at the top of this cliff, but there isn't a soul in sight. What's this? He must have hidden in the strange cave, Frederick mentioned. What did he call it? The lair of Maraschino. Gadasha the Bountiful, be praised that we have made it out of that hell-sent sandstorm. I've told you parts of the saga that is my yet. Yeah, I but. Oh.
it, but it, I slight it, off its eye, like a savage, in yes, it, by the, that is a poor, once up, I, right, but here, it, but it went, I slight it, I, her, never after it's, I did, and he like, blah, 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 yes, it, either I fail and suffer for all my instant, maybe, that is a good question, poor man. Like all men, he good. C'est bon le follow. On ouvre une trappe secrète, essuie Mangot jusqu'à une bibliothèque secrète. Oui, bon, ça c'est bon. Nous avons trouvé un Mickey blessé qui a été poussé du haut de la falaise par un esclave. Il nous a demandé de retrouver ce diablotin et de lui ramener ce dernier. L'histoire fort du roi. Jeanne nous a raconté son histoire. C'était un roi fier qui a été victime d'un démon suceur d'âme dont il a été tombé amoureux. Il a conclu un pacte avec un démon appelé Balberit, celui-là même qui sévit dans la forêt spectrale. Pour retrouver la santé en échange de son âme. Livrable dans 1000 ans. Près de 10 siècles se sont écoulés, mais Jeanne a trouvé Balberit et compte le tuer. Oh, spectral. What a life it is that Jehan has led, like listening to a great tragedy. A tragedy that is about to come to an end. Son terme, oui, mais pas sa vie seulement. La partie tragédie, nous devons encore le temps de tuer. Démon et de sauver Jeanne. Bien dit. On va tuer ce connard. On est indulgent. Ah, on a une grotte au pif. Super. Sauvegarde auto. Super. Une bague. Une bague. Elle est où ma truc maître de savoir? Ah. Ouf! Plus 1 force, plus 1 vitesse. 18% résistance au poison. Putain, c'est bien. Voilà, avec les soldes de Steam, de toute façon, la liste de jeux, elle va sûrement reprendre quelques jeux en plus. Hein. It seems they've long abandoned it by now. It certainly doesn't seem to have been a planned departure, does it? Coucou, c'est une main. Ah, j'ai une question pour toi, Solinois. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas en vacances en Bretagne? Ah bah non. Elle est en vacances le 16 août. Non, rien, en fait, je croyais que t'étais en vacances là. Et pourquoi t'as fait autant de routes hier, alors?
Ah, t'as de la famille en Lorraine. Il est tout seul? On va lui casser la gueule. Ah, Frédéric, fallait pas être tout seul. A priori, c'est le mauvais plan. Hein. Manqué. Bravo. A priori, ça l'enchante pas que ça soit Waterloo sa famille. Résiste Frédéric hein. Ah, tu fais un mille bornes pour aller en Bretagne. Et qui c'est qui gagne, c'est toi ou c'est ta fille? Ça me va. C'est un combat qui était bien. Il m'a bien plu ce combat. C'est pas agréable. Moi, tu vois, j'aurais parié sur le troisième larron qui gagne le 1000 bornes. J'aurais parié sur Henri Dess qui gagne le 1000 bornes. Ouais mais de Céline Desneiges tu chantes comme à tue-tête quoi. Pas toi que ça va déranger quand même. Enfin, c'est libéré délivré pendant tout le trajet mais t'es vraiment libéré délivré quand tu sors de ta bagnole.
Quoi? Quoi ça? Oh, c'est Rafflesia! On va tuer un Pokémon! Ça aussi. Voilà. Ah, filant épuisé, enfin. Il est où qui est dark là? Ah, il est sous la terre. Évidemment. Treasure!
J'ai bientôt fini, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le dernier stream sur le jeu. Traverse, c'est chiant. L'illusion. What? C'est pas une bonne nouvelle. Spoiler, c'est pas une bonne nouvelle. Bonne idée que ça, hein, que de vouloir mettre le feu, mais... Ça risque d'être tendu.
tiennent pas très bien debout. Hein. Au revoir. Bon bah finalement ça devrait aller. Peut-être. Oh vache, la maladie de masse comme ça. Ça surprend. Bon il va lui, mais il a l'air de vouloir mourir. Hein. Non. Il y a des coups critiques, ça déconne zéro. Pas l'air d'être sûr de ce qu'il fait lui hein. J'ai pas encore eu besoin de faire un seul heal, ce qui est très bizarre. Ce qui fait très bizarre. D'habitude faut se heal à l'infini là. Bon. Tant mieux hein. Salut gamin les mousses. Oh, pardon. Donc... Bon. Je sais pas qui c'était ces trucs là, mais ils se sont fait bien défoncer. Ça fait plaisir. Je vous avoue que ça fait plaisir. Pretty good at this, if I do say so myself. Ah, what have we here? It's got to be the bloodstone Frederick is so desperate for.
Alors, regardons un peu dans l'inventaire tout ce qu'on a récupéré. Alors. Maradino et la boîte d'allumettes. Maradino est un con. Merde, je l'ai fait. La légende du mouton-garou. Nous avons trouvé une recette pour fabriquer une armure de mouton-garou. Il faut brûler de la laine de mouton-garou dans une forge élémentaire. Ah, faut déjà te la trouver, la laine de mouton-garou. La forge élémentaire, je sais où elle est. Mais alors, la laine de mouton-garou, c'est moins sûr. Hein. Merde, Titis, pardon. Alors que Vingarland est là, coucou. Bon, ça me dit rien. Hein? Ah. Ah ouais, mais non. Maradino, là, tu me casses les couilles à être là. J'avais pas prévu ça, moi. Non, mais sérieux, il est en train de faire des pauses à Jojo. Le mage nul. Non mais sérieux, il va pas nous spawn un mec à chaque fois. Ça va être chiant, hein. Maradis merde là. Comme d'hab. Ça va les occuper. Ça va pas marcher. Comme d'hab. Et ça a pas marché non plus, comme d'hab. Enfin, ça sert de donner des sorts pour s'ils ne marchent jamais. Le taux de réussite des sorts, hein, c'est quand même vachement nul. Hein. Brûler comme des cons. Enfin, j'espère.
Il a pas brûlé. Rien à foutre. Merci, hein. Comme quoi, hein, quoi que je fasse, ça marche pas, donc c'est ça qui est bien. Hein. Allez, un de plus, bah ouais, bah, vas-y Maradino, hein, continue à nous casser les couilles. Hein. T'as raison. Hein. Le jeu est trop facile. Connard. Ah, puis c'est pas comme s'il avait 46 milliards de points de vie, quoi. Comment ? Si ? Ah bah oui, alors. Bon, elle, elle a tout raté, comme d'habitude, hein. En même temps, est-ce qu'on peut en attendre vraiment beaucoup de ces flèches qui tapent toujours à côté ? Il n'y a rien qui marche, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a rien du tout qui marche. Oh, l'autre avec son gros, sa grosse épée qui arrive là, je le sens pas bien. En plus, il est en train de knocker sur le tank. Entre guillemets. Bon, j'ai pas fait de. Pas fait de provoque, mais il passe à côté en mode je m'en bats les couilles quand même. Oh non, mais à un moment tu vas arrêter de spawn des mecs peut-être! Parce que moi je commence personnellement à en avoir plus que marre là! En plus, c'est ceux que je viens de buter. Ils reviennent en tant que spectre. Parle d'une connerie. Quelle bande de chiants, mais quelle bande de chiants! Ah non. Raté. Le heal par contre. Scarlett qui s'en prend plein la gueule, hein, alors que y'a Ryrie qui est en marche. Hein. Et sinon, à un moment, t'as fini de spawn des mecs au pif! Putain, il commence à me saouler, l'autre con, là! Oh, le chiant! Et ça rate. Et ça rate pas, heureusement. Putain. Oh, elle est pénible. Hein. Allô? Allô? J'ai mis un taunt! Tu fais quoi à part faire chier? Jeu de con. Pff.
Foutu un taunt, putain! À quoi ça sert? Bloqué, bah merde, ça l'aurait buté. C'est nul. C'est nul à chier. C'est vraiment nul à chier. Combat de merde. Mais les combats de merde. Jusqu'au bout de l'ennui, quoi. Jusqu'au bout de l'ennui, les combats. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Et là, il est tombé. Jusqu'au bout de l'ennui. May the 13 winds pulverize you. Il me la dépop comme ça, quoi. Il me la dépop comme ça, hein. Comme si de rien n'était, hein. Ouais, Nick il s'en fout un peu. Je peux lui taper dessus. Within these veins.
sauter sur le rebond. Je l'ai pas buté. Ça joue à rien, mais je l'ai pas buté. Chier. Jamais. Ah bah ouais, mais pas nos cœurs de Nick quand même. Ah mais il s'en fout complètement hein. Lui il s'en bat les steaks. Hein. Melodia the dissonant. Maradino offers you one final paradox. Return to unlife. Invulnérabilité. What? Comment ça, invulnérabilité? What the fuck? Qu'est-ce chiant. Ah. Foiré.
bathed in rivers of renewal. Donc je le heal. Ouais, c'est maintenant qu'il se décide à attaquer 18 fois quoi. Et la raillerie qui m'a... Non, t'es sérieux? Ah, c'est bon. Enfin, juste un coup de froid. Juste un coup de froid. Vachement bien qu'il meure à un moment, le fantôme de l'autre con. Pas arrêter de faire ça. Coup de pluie après avoir mis un petit peu de feu. Bizarre. Les archers, ils sont insupportables. Ils font des dégâts, ils utilisent des sorts de heal et tout ça. Les pires ennemis, quoi. La baguette de feu, elle est cassée, mais pourquoi ? Ce qu'il fout lui avec ses baguettes à chaque fois, mais à chaque fois il les défonce quoi. C'est hallucinant. Faut finir par lui foutre de la baguette incassable parce que putain, chaque fois ses baguettes elles cassent, je sais pas pourquoi. Il fracasse toutes ses armes, tout le temps. You need to strive harder against me.
Incroyable. Quoi ? Une fois que ça se passe pas trop mal. Robe de bonne qualité de puissance, plus 1 constitution, plus 1 baguette, immunité contre brûlure, plus 19 résistance au feu. Putain, c'est bien. Vachement bien. C'est vachement bien. Plus 1 musculation, plus 73 PV. Force, plus 2 initiative, résistance, résistance. Intelligence, plus 1 force, des blancs, là quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça. Je peux récupérer d'armes aussi. C'est le cas, une main. C'est un peu nul, mais. Bien. On part. Voilà quoi. Warmest dragon's breath. Ça sent mauvais cette affaire. Les gobelins.
back, pigskin. You're not welcome on our hallowed grounds. The spirits. Die for me, my goblins. Die. Je fais juste ça avant de nous congédier. Nous apportons dehors de quoi faire le troc. Gold and goods. These are things we welcome. You may pass if you want, but speak to the great spirit totem. He'll decide your final fate. Until you do, you are forbidden to leave our tribe seat. Alors, au moins ils m'ont pas attaqué. Bonjour. Did someone leave an oven door open? L'autre. Ils ont tous un nom ou ils s'appellent juste Troufion Gobelin, Rappeur Gobelin, ouais, on s'en fout. Ashkas, oui, on lui parlera. Ouais, il y a plein de monde à qui parler en gros. Tiens, il est 21h41. Oh, je vais arrêter là, de toute façon. Du coup. Bon, bah, c'était la dernière de Divinity en stream.